Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Mizen TV dans cette nouvelle chronique de la suite de la série des enseignements spirituels du mois de Ramadan dans la doctrine d'Ibn al-Arabi. Aujourd'hui, mes chers, je vais vous parler d'un troisième aspect fondamental dans ce chapitre 71 des Futuhat d'Ibn al-Arabi et qui cristallise le point culminant que j'ai cité auparavant dans la première chronique et qui va nous montrer réellement pourquoi Ibn al-Arabi insiste sur ce sémantisme de l'élévation ou de l'ascension vers un point culminant. Ibn al-Arabi va introduire un signe coranique très connu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Laysa kamithlihi shay, ce signe coranique qui signifie qu'il n'y a pas de semblable à son semblable. Ici, avec un S majuscule, référant à Dieu, Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Et il nous dit qu'en réalité, tout le processus du jeûne et du jeûneur et de la jeûneuse, c'est d'arriver à ce point culminant que lui explique par ce verset de la non-ressemblance, la négation apophatique, primordial et final, qu'aucune chose existentielle ne ressemble à Dieu, lui l'assimile, il l'applique à la non-ressemblance de l'acte de jeûner par rapport et en comparaison à tous les autres actes, l'acte de la prière, l'acte de l'aumône, l'acte du pèlerinage, etc. Et il nous dit, cet acte, il est toujours culminant parce que c'est un acte qui appartient à Dieu, principalement à Dieu, et il s'appuie sur une tradition qu'il cite d'Abu Umama, où Abu Umama approche le prophète alayhi salatu wasalam en lui demandant de la science, en lui disant « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, donne-moi un ordre que je prendrai de toi directement. » Et le messager d'Allah répond en instruisant Abu Umama, ce compagnon, en lui disant « Adonne-toi, ô Abu Umama, au jeûne, car il n'a pas de semblable. » Et c'est là où on voit pourquoi Ibn al-Arabi place l'acte et le processus, l'ordre du jeûne pour les jeûneurs et les jeûneuses, comme un acte hors pair par rapport aux autres actes, à l'image de la prière à titre d'exemple ou l'aumône comme deuxième exemple. Ibn al-Arabi use des deux vocables de « Laysa kamithlihi shay » le semblable ou le semblable avec un grand S et le semblable avec petit S pour pouvoir exprimer que le jeûne réellement nous hisse vers les points culminants auprès de Dieu et il a une valeur que seul Dieu connaît et que seul Dieu récompense. Ibn al-Arabi, in fine, nous instruit de manière pérenne que le jeûne, en réalité, ce n'est pas seulement une abstinence pour l'abstinence, ce n'est pas seulement un abandon pour un abandon, c'est une abstinence et un abandon pour pouvoir se hisser à un degré qui est similaire à son degré à lui. Et une parenthèse s'impose à nous, mes chers, pour pouvoir comprendre qu'Ibn al-Arabi lit aussi au fil des Futuhat al-Makkiyah, à savoir l'idée de la création d'Adam à son image. Tout revient par Dieu. Ibn al-Arabi place le jeûne dans un cadre circulaire, comme si on avait un cercle et que la boucle doit être bouclée, le début doit joindre la fin. Et c'est pour ça que le jeûne, pour Ibn al-Arabi, est un jeûne à la fois qui est exprimé par un certain apophatisme. Et il nous donne un exemple très très simple, l'exemple de l'attestation ou la profession de foi. Il nous dit en réalité que le point culminant du jeûne, il est à l'image de la ilaha illallah. La ilaha illallah qui est amorcée, initiée par toujours la particule la. Donc, point de ressemblance
avec nos semblables toutes les choses existentielles de la vie d'ici-bas, et donc par conséquent une immersion dans la ressemblance culminante des qualités de Dieu, dans un autre chapitre, 53 et un autre chapitre aussi, 44, Ibn al-Arabi nous dévoile aussi d'autres éléments qui corroborent cette notion de Adam at-tashabbuh bi sifat al-'ulya lillah, donc la ressemblance aux qualités suprêmes de Dieu, en parlant et en décrivant les essences immuables qui sont les attributs de Dieu. Il nous dit que ces essences attributives de Dieu, Ar-Rahman, Al-Halim, Al-Hakim, Al-Alim, ne sont que des élévations que chaque serviteur doit aller conquérir, et que cette conquête, ce jihad, par lequel on pourrait le qualifier, en faisant un effort de quitter l'horizontalité pour atteindre un point culminant qui est seulement auprès de Dieu, un point le plus haut. Le jeûne envoie, par le biais de cet enseignement, nous hisse vers le haut et nous fait quitter aussi les sphères inférieures de la dunya qui elle-même signifie le point inférieur de la vie. Et à propos de cette notion explicitée auparavant, Ibn al-Arabi s'appuie sur un hadith de Rasulullah, cité dans le recueil de Al-Bukhari. Il nous dit « Tout acte du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne, car celui-ci est à moi, avec le grand M. » C'est un hadith Qudusi, et c'est moi qui en paye le prix. Ibn al-Arabi, en réalité, distingue l'acte du jeûne de l'acte de la prière, en expliquant, dans le même chapitre et d'autres, que le jeûne est un acte totalement divin, qui lui appartient de manière totale, alors que la prière, selon une autre tradition de Rasulullah, est un acte partagé. La prière est partagée entre le Seigneur, et dans le hadith, Dieu nous dit « la prière est partagée entre moi et mon serviteur ». Donc il y a une part du serviteur et il y a une part du Seigneur. Pourquoi ? Parce que la prière n'est que munajat. C'est une discussion des deux parts. C'est une connexion à double dimension. Alors que le jeûne, or le jeûne n'est un acte exclusif qu'à Dieu. Ce n'est pas un acte qui appartient à l'être humain. Et sur ce plan-là, bien sûr, par le biais de ces deux traditions, Ibn al-Arabi distingue et exprime une certaine prééminence du jeûne, à titre d'exemple, par rapport à la prière. C'est la fin de cette chronique, mes chers. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mizen TV.